Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout va bien. Hop, que vous voyez bien ce qu'il y a à l'écran. Je vais faire un petit test rapidement. Hop. Merci à tous ceux qui ont participé aux premiers ateliers. J'ai l'impression que tout marche. Le son a l'air bon. Voilà. Hop. Donc merci à tous ceux qui ont participé aux premiers ateliers. On en est au quatrième atelier déjà. J'espère que vous avez pu suivre les premiers. Sinon, vous inquiétez pas, vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez. C'est sur la page Facebook de BD Boom, la maison de la BD, et sur la chaîne YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à les re-regarder si vous voulez vous entraîner. Donc on est toujours à la fondation du doute ce matin. Voilà, c'est un petit atelier de dessin organisé avec BD Boom, la ville de Blois, la fondation du doute, les éditions Jungle, donc qui ont sorti la BD Zoya. Donc ça, c'est la BD que j'ai dessinée, qui est sortie au mois d'octobre, avec Pog au scénario et Juliette Vaste aux couleurs. Et ça marche impec. Eh ben parfait, le son est bon. Et donc, si vous voulez des exemplaires dédicacés de l'album, je le redis, il y en a quelques-uns qui sont en vente à la librairie Bédélire à Tours, pour les Tourangeaux. Et pour les autres, vous pouvez aller la trouver en librairie. N'hésitez pas, si vous êtes sur Blois, à passer me voir pour une dédicace, si vous voulez, à la maison de la BD. Voilà un petit peu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre un petit peu pour des stylistes qui n'a jamais rêvé de faire sa propre ligne de vêtements. Voilà, on a vu un petit peu lundi l'atelier autour du corps des personnages. Si jamais vous ne l'avez pas vu, voilà, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Mais on n'a pas vu encore comment habiller notre personnage. Donc on va regarder ça ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille et un crayon. Et puis ça, on va y aller. Ça va être parti. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre petit squelette de personnage qu'on a vu dans l'atelier de lundi, notre structure comme ça, notre petit pantin, on va essayer de l'habiller, de lui donner des vêtements, et les vêtements vont aussi permettre d'avoir la personnalité, le style du personnage. Donc avant de commencer, je vais vous montrer quelques petites astuces pour dessiner des vêtements. Il faut comprendre que les vêtements, ça va être fait avec du tissu. Et comment fonctionne le tissu? Ça va faire en fait des plis, des vagues, on peut faire des froufrous, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est souple. Donc on va regarder un petit peu, par exemple, hop, si j'ai un grand morceau de tissu carré comme ça, suivant comment il va être placé, il va faire par exemple des plis ou il va faire des petits volants, des choses comme ça. Et les vêtements, ça va être surtout ça qu'il va falloir travailler, c'est tout ce qui est les plis. Si je mettais deux punaises en haut de mon bout de tissu, hop, j'imagine les deux punaises là, avec le poids du tissu, on va avoir des plis qui vont se former. Hop. Vous voyez, là par exemple, le tissu va essayer d'aller vers le bas, comme ça. Et donc, ça va, c'est un tissu qui va pendre un petit peu comme ça, et on va faire des plis. Donc ça, c'est pareil sur les vêtements. Vous avez, au niveau des articulations, vous avez des petits plis, comme ça, qui se créent. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, où je fais des... Voilà. Les petits plis que vous avez, ils vont être au niveau des articulations. Donc au niveau des coudes, au niveau ici de l'épaule aussi, là on les voit, les petits plis. Donc voilà, et
De l'autre côté des plis, à l'inverse, on va avoir plutôt des volants, des choses voilà, un petit peu souples comme ça. Donc une sorte de vague. Donc déjà, rien que comme ça, vous avez du mouvement dans votre tissu. Donc faire des plis, faire des vagues, c'est important. Votre tissu, il va fonctionner un petit peu comme un morceau de papier avec deux faces. Il va y avoir l'envers et l'endroit, si vous voulez. Donc, mon tissu, si par exemple je roule mon tissu, je vais avoir un envers et un endroit. Si je fais une spirale comme ça, pour faire un rouleau de tissu, j'ai juste à faire une spirale, hop, dans ce sens-là. Et en fait, mon tissu, là, voilà, vous allez avoir... Voilà, en quelques traits, la spirale va vous donner en fait un tissu enroulé ou un morceau de papier d'ailleurs, ça marche pareil. Il suffit hop, de tirer des traits à l'horizontale et là vous avez d'un côté hop, l'envers et de l'autre côté l'endroit. D'accord, ça marche? Donc c'est comme si on relevait un coin de notre dessin. Et hop, là c'est l'endroit et là c'est l'envers. J'ai laissé une ouverture, voilà. D'accord? Ça marche? Donc essayez de, voilà, de garder ça un petit peu en tête, que votre tissu va avoir un endroit, un envers. Et par exemple, pour faire un volant, donc là je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Alors moi j'adorais dessiner quand j'étais plus petite, c'est la jupe de Falbala. Je ne sais pas si vous avez vu Falbala dans les Astérix et Obélix. Elle a une super jupe comme ça, qui est très moulante au niveau des jambes. Et ce que j'adore faire, c'est hop, au niveau du bas, elle a des volants comme ça. Donc vous pouvez faire une sorte de vague, une sorte de zigzag comme ça. Et ça va vous donner, hop, si je tire, alors je vais faire en sorte que ça aille vers cette zone-là. Donc hop, 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 comme ça. À chaque fois, au niveau des sommets. C'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure pour mon bout de tissu. Donc là, on a l'envers et l'endroit. Vous voyez un petit peu? Donc là, on a fait un petit pli, un petit volant. C'est pareil si vous voulez aussi faire une jupe avec, par exemple, une jupe plissée. Vous pouvez faire hop, un petit zigzag comme ça. Et il vous suffit ensuite de tracer les lignes des sommets dans l'autre sens. Hop. Et là, vous avez des plis. Donc, pour faire une jupe plissée, le bas de la jupe plissée, elle va être comme ça. Et donc là, c'est l'envers et l'endroit. Vous voyez? Je vous mets l'envers en bleu pour que vous repériez bien la différence entre l'envers et l'endroit. Donc voilà, les tissus, ça fonctionne un petit peu comme ça. Alors là, je suis entrée un petit peu dans les détails, mais on va voir comment on l'applique à nos vêtements. Alors d'abord, les vêtements. Alors là, je vous ai dessiné Pia et Gabin. Les vêtements, ils vont passer par-dessus le squelette, évidemment, par-dessus les muscles et par-dessus la peau. Donc là, vous avez, par exemple... les vêtements de Pia et de Gabin, vous voyez, j'ai fait des plis au niveau de la jupe de Pia. Donc des plis qui vont du haut vers le bas. Donc je peux faire des petits plis comme ça qui vont vers le bas, comme j'ai fait tout à l'heure mon morceau de tissu. Et tout en bas, vous avez l'espèce de volant que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait une sorte de vague. C'est exactement ce que je voulais montrer tout à l'heure. Donc, des petits traits pour faire les plis en haut de la jupe, des vagues pour le bas qui
qui forme en fait le pli de la jupe. Et puis vous avez remarqué que j'ai fait ici sur les articulations au niveau des épaules, au niveau des coudes, vous avez des petits plis comme ça qui partent vers l'extérieur. Ici aussi, hop. Donc à chaque fois que ça va se plier en fait, on va avoir des petits plis comme ça. Je vais vous montrer un exemple. Donc par exemple, si vous faites le haut de votre personnage, hop, vous allez dessiner par exemple un t-shirt. Donc on va faire un col tout rond, tout simplement. Les épaules, là c'est, hop, ça repose sur les épaules, comme ça. Donc là j'ai imaginé qu'au-dessus du squelette, il va y avoir un peu de chair, de muscles et de peau. Et par-dessus, j'ai posé mon t-shirt. Et puis à l'endroit où ça se plie, au niveau des épaules, je vais pouvoir faire des petits plis comme ça. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et si j'ai fait un t-shirt par exemple à manches longues, je fais pareil au niveau du coude. À l'endroit où se plie le coude, vous voyez ici il se plie, je vais faire des petits plis. Alors ce que je peux faire aussi, c'est des petits plis comme ça. Voilà. À l'endroit en fait à l'extérieur, ça fait une sorte de petit bourrelet un petit peu si vous voulez. Hop. Et là, j'ai le dessin. Hop. J'ai le dessin de mon t-shirt. Je vais faire le corps. Alors, hop. Ça. Donc ça épouse les formes du corps de votre personnage. Je peux faire aussi quelques petits traits, comme ça, ça fait toujours bien d'avoir un peu de volume. Et puis là encore, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'envers et de l'endroit de mon tissu? Si j'ai mon poignet comme ça, un petit personnage qui a la main ouverte, je vais avoir la manche qui va être ouverte, donc la manche, l'ouverture de la manche, il va faire un rond un petit peu comme ça. Et là, hop, vous avez l'intérieur de votre manche, c'est l'envers de mon tissu. Ça marche pour tout le monde? On peut le faire aussi au niveau du col. Si j'ai comme ça un cou, le cou qui passe à travers le col, je vais avoir l'intérieur du col qui va peut-être se voir un tout petit peu. Donc là, j'ai l'envers de mon tissu. C'est des petits détails comme ça qui vont faire qu'on a vraiment l'impression que c'est un vrai vêtement. Alors après, on peut s'amuser. Là, on va se concentrer pour l'instant sur le haut de notre vêtement. Donc là, il y a plein de hauts différents. Vous pouvez faire, comme là, j'ai fait un col plutôt arrondi. On pourrait faire aussi un col roulé. Si j'ai un pull au vert, par exemple, un pull avec des grosses mailles, je vais pouvoir faire quelque chose un petit peu comme ça. Donc là, j'ai le cou de mon personnage. Et puis, pour donner l'impression que ce sont des mailles, c'est un pull en laine, je peux faire des petits traits comme ça. Donc là, on a vraiment l'impression du col roulé très chaud. Je vais rajouter pareil les plis de mon pull. Peut-être un petit peu des zigzags comme ça. Là, c'est les plis. Parce que autant un t-shirt, ça peut rester assez droit, mais un pull, bah, c'est un peu lourd. Donc ça peut faire des petits plis un petit peu comme ça. Pareil, en bas, je peux imaginer, il y a une petite lisière comme ça. Et puis, au niveau de la manche, hop, là j'enlève le poignet. Si j'ai mon poignet qui est ici, je peux faire aussi le bord de la manche comme un pull, comme le col roulé hein, que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mon poignet, l'endroit où il rentre à l'intérieur du pull, et j'ai fait une sorte, hop, vous voyez, ça fait comme une sorte de chaussette un petit peu. Et
Ça, c'est comme si on enroulait, en fait, on faisait des revers, un revers à notre manche. Et puis ça, je peux rajouter aussi les petits traits. Et voilà mon pull. Alors mon pull, il peut aussi avoir une forme un petit peu large, pas très loin des poignets. On peut avoir un pull qui fait un petit peu ça. Alors souvent, c'est le cas un petit peu des sweats aussi. Vous avez un côté un peu baggy à votre sweat. Ça, vous pouvez le faire aussi pour certains jeans. Et voilà, là, j'ai fait une sorte de pull au vert. Alors après, des cols, il y en a plein de sortes. Je peux imaginer. Alors, on m'a demandé il n'y a pas très longtemps de faire le col d'un costume, un peu le smoking, le costume de smoking, comme dans Men in Black. On m'a dit, je voudrais dessiner comme les personnages de Men in Black. Alors ça, c'est pas très très compliqué. Donc vous avez à nouveau les épaules. Alors les épaules de smoking, ça va être assez raide. Hein. On va plutôt faire des angles. Là, on est assez strict hein, dans la forme du smoking. Ça va être plus carré. Et donc, hop, au lieu de faire un côté un petit peu arrondi comme ça, on va plutôt faire des formes assez, hop, assez rectangulaires, assez carrées. Et là, je vais faire, hop, quelque chose un petit peu comme un V pour faire l'endroit où la chemise se rejoint devant le cou. Après ça, je vais faire juste comme deux dents. Comme deux dents de vampire. Imaginez deux dents de vampire. Donc ça, c'est vraiment le col qui descend. Parfois, il y a une petite. Il y a un petit bouton à cet endroit-là. Et puis, hop, comme ça, je peux placer les boutons de ma chemise. Alors les boutons, ils vont tirer un petit peu sur le tissu, donc je peux aussi faire des petits plis à cet endroit-là. Donc voilà pour faire une chemise. Pareil, hop, les petits plis au niveau des épaules, ça vous avez compris maintenant. Et voilà, là j'ai une chemise. Maintenant cette chemise, si je veux rajouter par exemple une cravate. Et ben, hop, je vais effacer juste la ligne du milieu. Une cravate, en fait, ça se présente un petit peu comme un losange ou un trapèze plutôt. Ouais, enfin, quelque chose d'un petit peu anguleux, un petit peu comme ça. Imaginez, hop, un entonnoir, un petit peu. Donc ça, c'est le haut, c'est le nœud de votre cravate. Ici, vous allez avoir les deux brins de votre cravate qui vont aller vers le haut, comme ça. Et ensuite, en bas, on va faire le reste de la cravate. Alors là, elle est très très large. Et voilà, avec un bout pointu. Et là, vous avez une cravate. Vous pouvez même faire petit pli par là. Et là, vous avez une chemise avec une cravate. Là, il est bien habillé, hein. Il est vraiment prêt pour aller, je sais pas, faire une soirée ou quelque chose où il faut vraiment être très bien habillé. Après, si vous voulez faire maintenant la veste qui va par-dessus la chemise. Alors c'est le cas par exemple de Ilborn, le méchant dans l'histoire de Zoya. Il a une chemise qui, enfin c'est pas une chemise, c'est plutôt une veste de costume. Alors pour dessiner la veste de costume, je vais partir des épaules. Et je dessine la veste par-dessus. Et je vais descendre vers le bas. Alors là, je la fais ouverte, hein, la veste. J'aurais pu la faire fermée, mais je vais la faire ouverte. Et en fait, hop. Donc là, j'ai les deux pans de ma veste. Je vais faire quelque chose un petit peu comme ça. Donc je vais avoir en fait deux triangles. Un et un deuxième qui passe légèrement en dessous, là, vous voyez. Hop. Le deuxième triangle, en fait, il va être placé juste en dessous du premier. Et donc là, je vais faire pareil sur mon dessin. Voilà, on commence à rentrer dans le
des choses un petit peu plus complexes. Donc un premier triangle et le deuxième qui passe en dessous. Et là, hop, alors là il a un grand col, plutôt un col de manteau. Hop, et voilà la veste qui va aller par-dessus. Voilà un petit peu comment dessiner plus assez simplement une veste de costume. Donc maintenant qu'on a vu les hauts, un petit peu, alors évidemment il y a plein d'autres sortes. N'hésitez pas à vous entraîner, à trouver plein d'autres styles. Si vous voulez quelque chose qui part en plus large vers le bas. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de sortes de hauts, des cols différents, voilà, il y a plein de choses. Le col d'un sweat par exemple, vous allez pouvoir aussi, hop, là vous faites les épaules. Si vous voulez faire le col d'un sweatshirt à capuche, hop, ça va faire des petits plis à ce niveau-là. Et là, des petits bourrelets un petit peu. Donc là, vous avez d'un côté des petites choses comme ça, des petits plis. De l'autre côté, des petits ronds. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un col avec le cou de votre personnage. Et alors moi, le petit détail qui va vraiment faire que c'est un sweat, je rajoute deux petits trous desquels vont sortir les petits cordons de votre personnage. Hop. Voilà. Donc là, vous avez un personnage avec un sweat à capuche. Alors maintenant, on va regarder un petit peu pour faire. Alors vous inquiétez pas, vous pouvez revoir les astuces que je vous donne là. On va voir maintenant pour faire le pantalon. Alors un pantalon, ça va être le même principe. Les endroits où ça plie, ça va faire des plis. Les endroits où vous avez les articulations, donc là, ça va être le genou. Et puis aussi l'aine, la jonction entre le bassin et la cuisse, ça va vous faire des plis. Donc, imaginons hop, un pantalon, donc là je peux le faire un peu tout droit pour l'instant. Hop. Ça peut être un pantalon de patte d'eff, pour ceux qui connaissent ça. La ceinture hop, au-dessus, donc là c'est un pantalon. Et ce qui va donner l'impression que c'est un vrai pantalon, ça va être les plis. Donc les plis, je vais les faire un petit peu comme ça au niveau donc de l'aine, et puis au niveau du genou ici juste en dessous, je vais pouvoir aussi faire des petits traits dans ce sens là donc un petit peu comme des épis, un petit peu dans ce sens là et là vous avez, comme vous commencez à avoir quelque chose de plus réaliste. Et pareil, tout en bas, à l'endroit où les pieds vont bouger, vous allez aussi avoir des petits plis, donc vous pouvez faire pareil, des petits plis à cet endroit-là. Et pour ajouter encore plus de réalisme, n'hésitez pas, comme tout à l'heure avec le sweat, à faire des petits bourrelets de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est... Vous vous souvenez quand je vous disais d'un côté il y a des plis, de l'autre côté il y a des vagues? Enfin, c'est un peu ça. Ici, vous avez des petits plis et à l'extérieur des petites vagues. Comme ma jupe de tout à l'heure, qui était comme ça, avec des plis d'un côté et des petites vagues de l'autre. Ça marche? Donc là, si on veut faire par exemple, ben, je vais faire une jupe justement. Hop, je fais la ceinture. Hop, je fais les traits d'un côté. Et de l'autre côté, je fais les vagues. Ça marche pour tout le monde? Vous pouvez rajouter un petit peu de mouvement comme ça. Et voilà, là j'ai une jupe. Alors je peux rajouter aussi des petits détails. Les petits détails vont donner encore plus de réalisme à votre dessin. Donc je peux rajouter la fermeture éclair, les poches, etc., etc. Des petits dessins si je veux, hop, si je veux qu'il y ait des broderies sur mon pantalon. Il y a vraiment plein de formes aussi de pantalons. Si vous partez de la ceinture toute simple, vous pouvez faire aussi une forme de pantalon un peu à la Aladdin, un petit peu plus large en bas. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire aussi des petits plis, mais plutôt de ce côté. Hop. Donc là,
ça s'évase vers le bas et les plis vont être plutôt à cet endroit-là et ici. Ça marche pour tout le monde? Donc voilà un petit peu quelques exemples. Juste, je vais terminer sur autre chose. Alors, il y a les vêtements. Là, je vous ai surtout parlé des vêtements et des choses en tissu. Mais dans les accessoires, vous avez plein de choses. Vous avez des sacs, par exemple. Là, vous voyez, Gabin, il a un sac. Alors, n'hésitez pas, quand vous racontez une histoire, à mettre des accessoires qui vont servir à votre personnage. Si votre personnage, c'est un chevalier, dessinez-lui une armure, dessinez-lui des choses qui vont lui convenir. Essayez d'être cohérent dans ce que vous allez dessiner. Vous n'allez pas dessiner, par exemple, si votre personnage va vivre une aventure dans la forêt, il faut qu'il soit habillé de manière confortable. Et donc, les accessoires sont importants. Ici, un accessoire qui va permettre aussi de reconnaître votre personnage, ça va être par exemple les chapeaux. Et pour vous montrer, je vous propose de faire une petite casquette. Alors, on va reprendre le personnage de trois quarts qu'on avait fait la dernière fois. Et on va lui dessiner une petite casquette. Alors, on fait notre visage de personnage. Vous vous souvenez, la patate avec la croix pour le nez, pour placer le nez et placer les yeux. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous allez dessiner un 8 couché. Vous voyez quelque chose comme ça. C'est le signe infini pour ceux qui connaissent aussi. On va dessiner un 8 couché en le mettant à peu près au milieu par ici. Si vous voulez, le milieu du 8 couché va être à peu près ici. Donc hop, on va faire quelque chose d'un peu comme ça. Et avec votre gomme, vous allez gommer la moitié. Hop, ici et ici. Donc là, vous gommez en fait d'un côté le bas et de l'autre côté le haut. Ça fait une sorte de S tout simplement. Une vague comme ça. Et là, vous commencez déjà à voir que ça va faire une casquette. Donc la casquette, elle va suivre un petit peu la forme du crâne. Vous imaginez que vous dessinez maintenant un bonnet sur le crâne de votre personnage. Hop. On dessine le haut de la casquette. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est, hop, si votre casquette, il y a un petit, généralement il y a un petit bouton au-dessus de votre casquette, un petit peu comme ça. Donc là, vous pouvez faire le petit bouton. Et puis il y a aussi la petite languette qui se trouve juste derrière, là, qui permet d'attacher votre casquette. Vous pouvez la dessiner juste comme ça. Donc on la voit à peine, hein. On la voit un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et là maintenant, il suffira, hop, de tracer un trait ici. Et là, vous avez votre casquette. Et donc le principe de la casquette, c'est ce qui m'a permis de dessiner le personnage de Gabin qui a une casquette dans l'histoire de Zoya. Hop. Voilà. Et après, évidemment, vous pouvez mettre un peu de couleur avec tout ça. Donc vraiment, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des choses comme ça. Donc le principe de la casquette, il est assez rigolo. Vous pouvez aussi faire les chapeaux de cow-boy. Le chapeau de cow-boy, ça va être un peu le même principe. Vous refaites votre 8 couché qu'on a vu la dernière fois. Hop. Qu'on a vu juste à l'instant. Et le 8 couché, la forme du bonnet, en fait, va changer le type de chapeau que vous avez. Ça peut être un chapeau de cow-boy, donc avec deux bosses, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu la forme du chapeau de Ilborn, le méchant dans Zoya. Vous pouvez aussi faire un grand chapeau d'été, par exemple, avec des fleurs, imaginons. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Un chapeau haute forme. Alors là, à ce moment-là, le 8 est un petit peu plus petit. Et on va avoir un grand chapeau. Là, c'est le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Donc là, vous avez plutôt un carré, comme ça. Et puis, on va rajouter, hop, le petit ruban qui va avec.
Le chapelier fou, je crois qu'il a des cartes aussi qui sont coincées dans son chapeau. Voilà, des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à lui ra à rajouter à votre personnage des accessoires. C'est pareil, à rajouter lui des bijoux, des choses comme ça. Avoir des accessoires sur son personnage, ça permet de différencier et de contraster les différents personnages. Vous remarquerez que certes, les personnages de BD hyper connus, que ce soit Tintin, Spirou, Astérix, Obélix ou plein d'autres, ils sont toujours habillés pareil pour qu'on les reconnaisse au premier coup d'œil. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver des petits accessoires et des vêtements bien distinctifs pour vos personnages. Donc voilà, un petit peu, j'espère que vous allez pouvoir expérimenter un petit peu tout ça. Évidemment, je ne vous ai pas tout montré parce que, y a énormément, énormément de choses différentes. Mais j'espère que ça vous a donné envie en tout cas de, voilà, de vous entraîner et de jouer un peu les stylistes. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat de vos expérimentations, de vos dessins. J'en ai reçu hier, donc merci beaucoup à ceux qui m'en ont envoyé. C'est vraiment super sympa. Et demain, on se retrouve comme le reste de la semaine à 10h30 pour un atelier. Cette fois, on va regarder un petit peu comment dessiner un décor. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment faire le personnage, on va essayer de le placer dans un décor. Et je vais vous montrer plusieurs exemples pour que voilà, ça vous donne des inspirations. Je vous dis à demain. Et puis, merci à tous d'avoir participé. Et à très bientôt.